suma todo dia. Dia de foronda com incerteza, dia de todo final, Guiné-Bissau. Rumo tomado, baba pediga saio na vizinhança. Vu du ciel, la Guinée-Bissau apparaît d'abord comme un pays où la terre et l'eau se confondent, où les méandres des chenaux viennent se glisser paresseusement dans les mangroves et entre les îles. Le mariage de la terre et de la mer donne naissance à une nature riche et diversifiée, où l'empreinte de l'homme souligne encore l'harmonie des paysages. A Guiné-Bissau é um pequeno país da África Ocidental com 36.125 km². Está limitado ao norte pelo Senegal e também a Guiné-Conakry pelo sul e este. É um território composto por duas partes, uma parte terrestre ou continental e uma parte insular, que é o arquipélago de Bijagó, com 88 ilhas e ilhéus. A zona apresenta, de norte ao sul, sete grandes rios, e rios em forma de rias, com a penetração do mar. O mar penetra até 150 km no interior do continente, que precisamente é o limite do ecossistema do Mangal. É uma zona rica em biodiversidade, porque é uma zona que tem clima tropical úmido e seco, precisamente limitado por uma zona norte, mais ou menos tem um clima saheliano, no sul, na zona da Guiné-Conakry, com clima tropical úmido. Então, precisamente, a Guiné-Bissau fica situada nessa confluência. Esta característica climática determina uma variedade de ecossistema presente na Guiné-Bissau. Savanes, forêts denses, marais, cours d'eau ou bras de mer sont des milieux productifs qui sont exploités depuis la nuit des temps par les différentes ethnies qui peuplent la Guinée-Bissau. À la diversité des milieux correspond ainsi une diversité culturelle, et la combinaison de ces deux patrimoines constitue la vraie richesse du pays. Pour conserver ses patrimoines, la Guinée-Bissau a décidé de protéger un ensemble représentatif des principaux écosystèmes du pays. Un réseau national d'aires protégées a ainsi été créé en concertation avec les populations concernées. As áreas protegidas na Guiné-Bissau representam 12% da superfície do território nacional, Parque de Cacheu, Parque Natural das Lagoas de Cofada, Parque Cantanhês, um conjunto de áreas protegidas marinhas dentro da reserva da biosfera do arquipélago de Bijagó, área protegida marinha comunitária das Ilhas do Roque, Parque Nacional do Orango, Parque Nacional Marinho João Vieira e Polão. Situé à proximité du Sénégal, le parc naturel des mangroves de Cacheu a été créé pour protéger un échantillon de ces bras de mer que les explorateurs portugais ont appelé Rivière du Sud. On trouve encore à Cacheu quelques vestiges de l'époque où la ville était la capitale de la Guinée portugaise. L'estuaire se présente sous la forme d'un chenal principal
et de bras plus petits qui se ramifient à l'infini, offrant simultanément des voies de communication maritime. Le fonctionnement du rio est influencé par les marées. Avec la marée montante, l'eau, chargée de nutriments, irrigue le dédale des bras de mer comme un immense réseau capillaire. Le rio Cacheu est bordé de mangroves, une formation végétale constituée de palétuviers qui ont la capacité de respirer dans la vase grâce à des racines aériennes ou encore d'éliminer le sel à la surface des feuilles. Les services rendus par les mangroves des rivières du Sud sont considérables. Les palétuviers protègent les côtes des tempêtes et leurs racines, en fixant les sédiments, freinent l'érosion littorale. Leur productivité est importante et fournit toute une gamme de ressources naturelles aux communautés. Bois, coquillages, crustacés et poissons y sont en abondance, sans oublier la riziculture, pratiquée par les quelques ethnies qui ont appris à exploiter les sols de mangroves. Les communautés riveraines du rio se sont adaptées de manière remarquable à cet environnement si particulier. Les maisons, construites à la limite des plus fortes marées, permettent de se rendre en pirogue jusqu'à son domicile. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, la pirogue constitue en effet le moyen de déplacement et de transport par excellence, et ce, dès le plus jeune âge. En protégeant le rio Cacheu, qui abrite les plus vastes mangroves de toute la région, on protège un habitat critique pour la reproduction des ressources halieutiques. Or, la pêche représente un secteur d'intérêt stratégique, tant au niveau local que national, en contribuant directement à la souveraineté alimentaire du pays. Sans oublier que les milliers de tonnes de crevettes et de poissons qui sont produits dans les mangroves, à l'origine d'accords de pêche passés avec des armements étrangers, génèrent aussi près de 40% des recettes de l'État. Au large des côtes, l'archipel des Bijagos offre à la lumière du soleil la beauté de ses paysages. Constitué d'une petite centaine d'îles partagées par des chenaux et de larges vasières qui découvrent à marée basse, il est le seul archipel deltaïque du littoral ouest africain. La végétation des îles est composée de mangroves, savanes et palmeraies, tandis que la biodiversité est représentée par de nombreuses espèces emblématiques, parmi lesquelles les lamantins, hippopotames, tortues marines, requins et poissons-ci, ou encore d'oiseaux d'eau. Seules une vingtaine d'îles sont habitées par des communautés humaines appartenant en majorité à l'ethnie Bijago. Les autres îles sont utilisées pour leurs rizières et leurs palmeraies et plusieurs, considérées comme sacrées, ne sont occupées qu'à l'occasion de certaines cérémonies. Thank you.
L'économie Bijago est basée sur une exploitation diversifiée des ressources naturelles. Les palmiers fournissent plusieurs produits comme l'huile ou le vin de palme. Le riz est cultivé sous les palmeraies pendant la saison des pluies, moissonné épi par épi, lié en bouquets et mis à sécher avant d'être entreposé dans des greniers d'argile. À marée basse, tandis que les femmes vont ramasser des coquillages, les hommes vont pêcher quelques mulets sous le regard des oiseaux. Dans les îles d'Ourok, comme dans le reste de l'archipel, les coquillages représentent la principale source de protéines. Ils représentent même un élément de survie en période de soudure, lorsque les réserves de riz sont épuisées. Leur importance est aussi d'ordre culturel, dans la mesure où certaines espèces sont nécessaires à l'accomplissement de cérémonies. Depuis quelques années, les pêcheurs venus de l'extérieur sont venus ici pour collecter des coquillages et du poisson à des fins commerciales. Leurs prélèvements ont mis en danger certaines ressources. Was. No pirviki la paibia sino disa qualquer gente spebin e bim buscar e na explorando tudo ele vai no cana tene é como da no pirviki aquilo paibia combe aquilo é um alimentação tank no tene fica tem e tu já não está mal paibia te ajuda no tio que queria filho os tempos de chuva paibia combe no tene não para queria filho os quer o bimo aí não mamãe está criando que ela sim tank não está criando filho quer no capu de disa peca. Avec l'appui de l'ONG nationale Tinigena et de l'IBAP, les communautés sont parvenues à créer une aire marine protégée communautaire qui préserve leurs droits. Les règles d'usage ont été réactualisées de façon participative grâce à un travail d'animation où la dimension culturelle de la biodiversité, très présente chez cette ethnie animiste, occupe une place centrale. Les masques de poisson-scie, de requin-marteau ou d'hippopotame qui sont portés pour les danses illustre l'importance de la biodiversité dans la cosmogonie Bijago. Aujourd'hui, grâce aux mesures de protection, la biodiversité est encore riche sur les îles d'Ourok, avec des espèces comme le rare dauphin à bosse ou de grands rassemblements d'oiseaux d'eau migrateurs venus d'Europe.
Le groupe des îles d'Orango, classé parc national, abrite la plus grande diversité biologique de l'archipel. La présence d'étangs et de mares temporaires offre des habitats recherchés par les oiseaux, canards, oies, spatules ou aigrettes, mais aussi par les crocodiles. L'une des espèces les plus emblématiques est l'hippopotame, qui présente ici la particularité unique de vivre dans l'eau de mer, s'adaptant au fil des millénaires au déplacement vers le large de l'ancien delta devenu archipel. Pendant la saison des pluies, quelques mares sont utilisées au cours de la journée par les hippopotames, donnant lieu à des comportements sociaux spectaculaires. Ils se dispersent la nuit dans les savanes environnantes pour se nourrir de graminées et peuvent à cette occasion commettre des dégâts aux rizières, affectant une partie des récoltes et parfois la sécurité des personnes. Pour résoudre ce problème qui mettait le parc en situation de conflit avec ses habitants, l'IBAP et ses partenaires ont mis en place des clôtures électriques solaires qui protègent désormais les cultures. Pour faciliter la découverte de cette biodiversité, la beauté des paysages et la richesse de la culture Bijago, un lodge d'une quinzaine de lits a été construit à proximité du village principal et répond aux critères essentiels de l'écotourisme. La direction du projet, c'est la fondation CBT Habitat. Et elle gère non seulement l'hôtel, mais elle gère en plus une équipe d'assistants techniques qui travaille sur comment trouver la meilleure façon d'approcher les animaux sans les déranger, comment avoir un minimum d'impact sur l'environnement, et puis qui mène des activités scientifiques, du balisage, on a prévu du balisage d'hippopotame, du balisage de lamantin, du balisage de tarpon, c'est quand même des choses assez extraordinaires. Et parallèlement à ça, la mission de ces assistants techniques, c'est aussi d'identifier les micro-projets qui vont être réalisés avec les bénéfices dégagés par l'hôtel. L'idée, c'est de promouvoir un tourisme très respectueux et qui offre une contrepartie pour les populations résidentes. Sino katrai bamare e sorano largo si baya alika kun kayanin kurema. Le parc national marin de Janvier-la-Poilan a été créé pour protéger les ressources halieutiques ainsi que la plus grande colonie de tortues vertes des côtes atlantiques de l'Afrique. Comme l'ensemble des tortues marines, cette espèce est menacée.
Sur les plages de l'île de Poilan, ce sont jusqu'à 30 000 pontes qui sont déposées chaque année par les femelles, à raison d'une centaine d'œufs par nid, qui donneront naissance à de jeunes tortues, dont une sur mille seulement deviendra adulte. 93. Dans le cadre du travail de suivi réalisé par l'IBAP, 10 femelles ont été équipées de balises satellites qui ont mis en évidence leur migration le long des côtes vers la Gambie, le Sénégal et jusqu'en Mauritanie. Entre les îles, des bancs de sable sans cesse remodelés par les courants constituent l'habitat favori des oiseaux coloniaux comme les sternes royales et caspiennes. Il existe encore quelques reliques de forêts denses humides au sud de la Guinée Bissau, situées dans la région de Cantagnès. Outre leur importance vis-à-vis du climat, elles abritent une diversité biologique exceptionnelle. On a recensé plusieurs dizaines d'espèces végétales utilisées par les communautés à des fins diverses, et notamment pour la médecine traditionnelle. Mais si nous propres canons ont travaillé avec elle, matu y kadi umpuswa y panos tout. Na luta la ki jindis fika na matu toko luta kaba. Donc là on a matu y kadi biringarera matu y bon pano tenel drito. Comme on a tenel ouju, ainsi que notre tenel notre drito tenel non matu. La diversité animale dans ces forêts denses est remarquable, avec plusieurs espèces emblématiques, telles les éléphants, buffles, panthères ou encore les chimpanzés. À Cantagnès, comme aux îles de Rango, la faune sauvage commet des dégâts aux cultures. Ici, ce sont les chimpanzés qui se nourrissent de bananes et d'oranges, générant parfois des conflits d'intérêts entre le parc national et les communautés. Afin de compenser les contraintes liées aux besoins de protection des forêts, des alternatives de développement sont recherchées avec les populations, en collaboration avec les ONG et notamment Acción para o Desenvolvimento. Pour faire face à la dégradation du milieu provoquée par l'agriculture itinérante sur brûlis, l'extension des monocultures de rente ou la production de charbon de bois, des actions sont menées pour valoriser les produits tels que l'huile de palme, ou encore appuyer la riziculture de mangroves
dans la perspective de soulager les pressions sur les forêts. Des initiatives dans le domaine de l'écotourisme sont aussi soutenues pour générer des revenus alternatifs tout en valorisant le patrimoine naturel. Le parc naturel des lagunes de Koufada illustre bien les services que peuvent rendre les écosystèmes. C'est un immense réservoir d'eau douce qui se remplit en saison des pluies et alimente les nappes phréatiques de toute la région au long de la saison sèche. Les étangs et forêts alentour constituent aussi un important réservoir de biodiversité et de ressources exploité par les communautés résidentes du parc. O qual tipo de pesca o apanha? Bentano. O que é que bota... que é que... quantos pescadores que está a pescar? Não é momento. É sete ou seis. Seis pescadores? Seis, sim. Que está a pescar? Então, nós não me só pode pescar direito ali para pôr olho a peixe. Para olho a peixe, vou ter que morar aqui tipo de rídea, vou arranhar outro tipo. Para ver a lagoa do bosque. E se bom muro aqui rir, vou na massa hoje a piso. Mas eu outro rir, vou catar hoje a piso. Para ver esta mata aqui, pequenino, se catar fazer. Hoje não quero de dinheiro, tio. Mas não é de vida de gente que sai para poder vir. Meio escatiga, para ver guardas, a área é muito grande. E guardas e tem também distância grande para andar. De forma que meio escatiga suficiente. É que o governo cria parque para via em um sítio e reconhecendo que chama um sítio Ramsar internacionalmente, de forma que lhe também aves migratórias e tem animais búfalo, cincim e recentemente está ali dentro do parque, penso até o momento, dois elefantes. Que é o momento de ir a seguir para guardas, para ver esse movimento. Aonde mal este leva minha recado soy. Leva minha recado. Bien qu'une part significative de ces différents milieux naturels et de la biodiversité du pays soit protégée au sein des parcs nationaux, l'IBAP doit faire face à des pressions sur l'environnement toujours plus fortes. La pêche illégale, par exemple, commet des dégâts en surexploitant certaines ressources ou en dégradant les milieux. Les campements de pêcheurs en provenance de divers pays coupent les mangroves pour le fumage du poisson ou capturent les requins pour le commerce des ailerons vers l'Asie. Le travail de surveillance est difficile et coûteux, surtout dans les aires protégées où les ressources, plus abondantes, attirent les usagers extérieurs. Des navires industriels pêchent dans les zones réservées aux artisans, soit directement, soit par l'intermédiaire de pirogues qui les alimentent. Se na leva minha recado soy. Se
minha segredo soy. E pai para minha gente soy. Les pressions de l'agriculture s'intensifient également par le développement des cultures de rente, telles que l'anacardier pour les noix de cajou. Ces cultures, qui occupent parfois de grandes superficies de terres arables, peuvent avoir des impacts négatifs en détruisant des forêts ou d'autres milieux riches en biodiversité. À ces différentes pressions s'ajoute l'exploitation commerciale de nombreuses ressources naturelles, les sources de pollution diverses, ainsi que les quelques projets d'exploitation minière et pétrolière. Enfin, à plus longue échéance, le pays côtier et insulaire doit se préparer aux conséquences des changements climatiques globaux. Suivi de la biodiversité, surveillance, accompagnement des communautés sur près de 12% du territoire national, le travail de l'IBAP pour maintenir la bonne santé des écosystèmes est complexe et demande des moyens humains et financiers considérables. Bien que soutenu par le gouvernement et de nombreux partenaires, les moyens actuels sont insuffisants et surtout non durables. Pour faire face à de tels besoins, le principe des fonds fiduciaires s'avère efficace. Sabemos que na Guiné-Bissau, as áreas protegidas funcionam com financiamento externo e não podemos contar com esse financiamento externo para toda a vida. Aí a pertinência de criar essa fundação para garantir a durabilidade, porque os fundos postos nos bancos estrangeiros poderão gerir interesse e daqui a muitos anos esses fundos poderão ser utilizados e capitalizados na gestão das áreas protegidas na Guiné-Bissau. Já criamos a fundação, que se chama Fundação Bioguiné. É uma fundação criada para poder assegurar a longo prazo o financiamento das áreas protegidas da Guiné-Bissau. La Guinée-Bissau est considérée, d'après les statistiques internationales, comme l'un des pays les plus pauvres de la planète. La diversité des ressources et des services offerts par les écosystèmes y joue par conséquent un rôle d'autant plus crucial pour la qualité de vie et la souveraineté alimentaire de ses habitants. Les efforts remarquables de la Guinée-Bissau pour la conservation de son patrimoine naturel et culturel sont donc essentiels pour garantir un développement durable. S'ils répondent aux engagements de la Convention sur la diversité biologique et des objectifs du millénaire, ils vont aussi dans le sens des intérêts de la communauté internationale, que ce soit vis-à-vis du secteur des pêches, du tourisme, des industries extractives ou tout simplement des espèces migratrices partagées. La Guinée-Bissau, dont l'empreinte écologique au niveau global est particulièrement modeste, veut rester parmi les pays pionniers pour protéger la vie sur la planète au bénéfice des générations futures.
Suma todo dia, dia de foronda com incerteza, dia de tudo final, Guinea Bissau. Rumo tomado, baba pirigaçado na vizinhança. Vu du ciel, la Guinée-Bissau apparaît d'abord comme un pays où la terre et l'eau se confondent. Ce mariage de la terre et de la mer donne naissance à une nature riche et diversifiée, où l'empreinte de l'homme souligne encore l'harmonie des paysages. Ces conditions géographiques particulières ont favorisé une grande diversité d'écosystèmes qui sont exploités depuis la nuit des temps par les différentes ethnies. À la diversité des milieux correspond ainsi une diversité culturelle et la combinaison de ces deux patrimoines constitue la vraie richesse du pays. Pour conserver ces patrimoines, la Guinée-Bissau a décidé de protéger un ensemble représentatif des principaux écosystèmes du pays. Les mangroves, qui couvrent 8% du pays, jouent un rôle déterminant dans la protection du littoral et la production de ressources naturelles. Le parc naturel des mangroves du Rio Cacheu a été créé pour sécuriser la production de ressources halieutiques d'intérêt crucial pour l'économie du pays et des communautés locales. L'archipel des Bijagos est un monument naturel et culturel d'importance internationale. Au sein d'une réserve de biosphère déclarée par l'UNESCO, trois aires marines protégées ont été créées pour en conserver les parties les plus sensibles en termes de ressources, de biodiversité et de patrimoine culturel. Leur valeur universelle a conduit les autorités à proposer le classement de l'archipel comme site du patrimoine mondial. Les dernières forêts denses situées au sud du pays, dans le parc national de Cantagnès, constituent un enjeu important pour la conservation du climat et de la biodiversité. Les différentes espèces végétales sont largement utilisées, notamment pour la pharmacopée traditionnelle. Il y a des problèmes de cancer.
La présence de plusieurs espèces emblématiques est aussi un atout pour promouvoir l'écotourisme au bénéfice du parc et de ses habitants. Le parc naturel des lagunes de Koufada illustre bien le concept de service fourni par les écosystèmes. Ces étangs jouent un rôle de réservoir d'eau douce qui se remplit en saison des pluies et alimente les nappes phréatiques de toute la région au long de la saison sèche. Sete ou seis? Seis pescadores? Seis, sim. Que está a pisca? Então, a nossa missa para a pisca direito ali, para por hoje a pis. Para hoje a pis, vou ter que morar aqui tipo de rilha, vou arranjar outro tipo. Para ver a lagoa do boss. E se vou morar aqui rilha, vou na massa, hoje a pis. Mas é outro rilha, vou catar hoje a pis. Para ver esta mata a pis, pequenino, se catar fazer. Suivi de la biodiversité, surveillance, accompagnement des communautés sur près de 12% du territoire national, le travail de l'IBAP pour maintenir la bonne santé des écosystèmes est complexe et demande des moyens humains et financiers considérables. Bien que soutenu par le gouvernement et de nombreux partenaires, les moyens actuels sont insuffisants et surtout non durables. Pour faire face à de tels besoins, le principe des fonds fiduciaires s'avère efficace. Sabemos que na Guinée-Bissau, as áreas protegidas funcionam com financiamento externo e não podemos contar com esse financiamento externo para toda a vida. Aí a pertinência de criar essa fundação para garantir a durabilidade, porque os fundos postos nos bancos estrangeiros poderão gerir interesse e daqui a muitos anos esses fundos poderão ser utilizados e capitalizados na gestão das áreas protegidas na Guiné-Bissau. Já criamos a fundação, que se chama Fundação Bebiné. É uma fundação criada para poder assegurar a longo prazo o financiamento das áreas protegidas da Guiné-Bissau. E era um dia suma todo dia. Dia de foronda, com certeza. La Guinée-Bissau est considérée, d'après les statistiques internationales, comme l'un des pays les plus pauvres de la planète. La diversité des ressources et des services offerts par les écosystèmes y joue par conséquent un rôle d'autant plus crucial pour la qualité de la vie et la souveraineté alimentaire de ses habitants. Les efforts remarquables de la Guinée-Bissau pour la conservation de son patrimoine naturel et culturel sont donc essentiels pour garantir un développement durable. S'ils répondent aux engagements de la Convention sur la diversité biologique, ils concernent aussi la communauté internationale intéressée par les secteurs des pêches, du tourisme, des industries extractives ou tout simplement par la conservation des espèces migratrices partagées. La Guinée-Bissau, dont l'empreinte écologique au niveau global est particulièrement modeste, veut rester parmi les pays pionniers pour protéger la vie sur la planète au bénéfice des générations futures.